Christopher rentrait chez lui après l'école. C'était une mauvaise journée pour lui. Il était de mauvaise humeur parce qu'il détestait son nom. Ce n'était pas un nom spécial. Des millions de garçons à la grandeur du monde portaient ce nom. Il y avait 11 Christopher dans son école et 3 dans sa classe. Chaque fois que l'institutrice disait « Christopher! » « Oui, mademoiselle. Oui, mademoiselle Mumford. » Ils répondaient tous « Oui, mademoiselle Mumford. » Ça le rendait fou! Ce jour-là, la tante de Christopher, sa tante Gail des Antilles, était en visite chez lui. Elle raconta à Christopher des histoires sur un homme qui s'appelait Tiger. Tiger pouvait manger 5 piments rouges piquants. Et en demander 10 autres. Il était tellement fort qu'il pouvait se rendre au marché en portant 3 vaches sur ses épaules. Christopher était fasciné. Il voulait être fort comme Tiger. Et sans hésiter une seule seconde, Christopher changea son nom pour Tiger. Il se mit à courir ici et là et criait à tout le monde « Je m'appelle maintenant Tiger !» Il se mit à porter les livres de tous les élèves de sa classe. Il se croyait tellement fort. Tout le monde ici et là se mit aussitôt à l'appeler Tiger. Tout le monde, sauf son institutrice, Mademoiselle Mumford. Elle l'appelait Christopher Mulamba. Un soir, la maison de Tiger débordait de joie. L'équipe de basketball préférée de Tiger jouait à la télé. Tiger sentait son cœur battre très vite et regardait son joueur préféré virevolter et s'élancer. Il bougeait si rapidement que parfois, on ne voyait rien d'autre que son numéro 24. Tiger voulait s'élancer lui aussi. Il voulait être 24. C'était plus fort que lui. Et sans hésiter une seule seconde, Tiger changea de nom. Il se mit à dribbler et à lancer le ballon un peu partout. Et à rendre tout le monde fou. Tout le monde se mit aussitôt à l'appeler 24. Tout le monde sauf son institutrice, Mademoiselle Mumford. Elle l'appelait Christopher Mulamba. Un jour, c'était l'anniversaire de 24. À son réveil, il aperçut une carte sur sa table de nuit. Elle venait de sa tante Gail. Elle disait « Pour Christopher, un enfant très spécial, puisses-tu t'envoler et toucher le ciel ?» Et à l'intérieur, il y avait un chèque. Oui ! Le jour même, 24 et sa mère se rendirent à la banque. Bonjour, je suis 24 et voici ma mère. Je voudrais ouvrir un compte. Le directeur de la banque regarda le chèque et regarda 24. Ce chèque est fait à l'ordre de Christopher Mulamba. Tu t'appelles 24. Maman! Sa mère lui dit... À toi de te débrouiller maintenant. Il regarda dans son sac à dos. Tout portait le nom de 24. Il lui fallait une vraie carte d'identité. Vite! Au même moment, ses meilleurs amis, Jason, Shea et Tandy, entraient justement à la banque. Salut les amis, je m'appelle comment? 24, quelle question! Le monde entier était contre lui. Il était bien Christopher Mulamba. Il regarda autour de lui. Bonjour, Mademoiselle Mumford. Mademoiselle Mumford se dit en elle-même, c'est l'enfant qui a plusieurs noms. Comment vas-tu, 24? Sa mère le regarda et lui dit, cesse de cogner du pied, 24. Cesse de cogner du pied.
Christopher Kwame Mulamba. J'ai dit, cesse de cogner du pied. Je t'ai eu. À partir de ce jour, Christopher ne changea plus jamais de nom. Parce qu'après tout, son nom était vraiment spécial. Enfin, peut-être. What's my name from a ball game? Call myself 24 the number. Mom call me Christopher Kwame Mulamba. A name's got letters and what's in a number? A number, a number. What is it? A tiger burning bright in the fire, got a fright, lost sight of the meaning of the true light. True light. Kwame Mulamba, Mulamba. A name's all you got, and if you throw it away. It's a shame, you can't complain. 24 tigers, it's not the same. Don't play the name game. You know what I'm saying? Do you really know what I'm saying?